Sincèrement, le silicone, il y a trop de monde, Pat, en tout cas, arrête-moi si je me trompe, mais qui néglige cette partie-là, ou sinon, je serais curieuse là, d'aller chercher vos commentaires, mais je suis convaincue qu'il y en a qui ont fait des méchants gâchis avec ça. C'est sûr que c'est différent du latex, le silicone, ça le dit, hein, ça, c'est fait pour repulser l'eau. Fait que, on a besoin de ces trucs de pro-là. Je suis avec Patrick Maton, puis il va nous en parler. Oui, le silicone dans une maison, c'est une des places où il y a des chances d'avoir une infiltration d'eau. Alentour du bain, alentour de la douche, sur le bord des lavabos, c'est super important de le vérifier. Puis normalement, à toutes les 2 ans, on devrait s'assurer que le silicone est toujours en bon état, qu'on pourrait dire, donc qui est bien collé sur chacune des surfaces. Oui, puis ça prend pas grand-chose pour que l'eau... Elle fraye son chemin, puis c'est pas long, là, tu sais. Exactement. Fait qu'un silicone, ce qui va être important, c'est d'en faire l'entretien. Donc, il faut laver la douche ou le bain de façon régulière, comme une fois par semaine, puis laver sur le joint, mais sans produit abrasif. Donc, juste un savon doux nettoyé, ça va être assez. Bien, ce qui va être important pour le silicone, ça va être de s'assurer de couper l'embout de la bonne grosseur. La bonne grosseur, c'est en fonction du joint que vous devez faire. Si on a un grand joint à faire, de le couper plus grand, mais si on a un petit joint, de faire une petite coupe, vous êtes mieux de la faire plus petite pour commencer, puis si s'il n'y a pas assez de silicone qui sort, on la regrossit, parce qu'après ça, on ne peut pas changer le bout. Une fois qu'il est trop grand, c'est fini. Puis c'est gradué, là, vous pouvez le faire en gradué. On coupe droit, on coupe en biseau? Moi, je préfère avec un petit angle dedans, et ensuite de ça, vraiment là, comme... à peu près 1/8 de pouce à la fois qu'on va enlever pour grossir le cordon qui va sortir du tube. Pat, dis-moi, est-ce qu'on pousse ou on tire quand on installe quand on applique en fait du silicone? On va faire les deux. Ah ouais? Oui, il va avoir une certaine pression que tu mets parce que ton tube va à même le tube quand ça va sortir. Avec ta pression que tu vas mettre, ça va déjà licher une portion du joint. Puis là, on va s'en aller en le tirant. C'est quoi? Mais il faut mettre une pression. Donc, on pousse un peu dessus et on tire. OK. Il y a un vieux plombier qui m'avait dit de pousser. Ça dépend de... De toute façon, c'est pas une science non plus, là. Ça, c'est ton meilleur truc de pro. Il y a possiblement plein de méthodes à appliquer du silicone. Chaque personne va trouver sa bonne méthode. Mais au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est avoir un joint qui est propre, qui paraît bien, puis qui va durer, qui va être collant sur les deux surfaces. Je suis sûr que Pat est meilleur que moi, fait que, ah ouais, let's go.